Salut à tous, c'est Narm de retour dans Deltarune. Bonjour. Qui es-tu? Eh bien, je suis le forgeron Malius. Je peux tout réparer, armes, armure, je peux même vous réparer. Alors, qu'est-ce que vous avez à me donner? Réparer un objet? On n'a pas d'objet à réparer. Eh bien, bon voyage les amis. J'imagine qu'on aura besoin de toi plus tard, mais pour le moment je crois pas avoir d'objet à réparer. Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on venait de se faire arnaquer, hein, sous l'impulsion de Ralsei qui voulait absolument leur donner de l'argent pour les rendre... joyeuses. Ah! Oh les vilains. Ah, il y en a un qui est bien formé. Bloxer. Je vais pas le réarranger. Ah si, non. Il a son torse qui est mal mis. Toi, je vais mettre en défense. Alors, attends. C'est. Ok, toi, t'es remis. Bloxer est ravi de son nouveau corps. Oh, tu m'as remis dans l'ordre. Voici le résultat de mon entraînement. Wow. C'est chaud. Patate. Ouais, on va engracier. Non. Chris, il va pas engracier. Hein. Il va s'occuper de le réarranger, lui. Et toi, tu vas t'occuper de gracier. Ok. Attention. Et boum. Boum. Oh, non. Attention. Boum. Et j'gaboum. C'est bon, il est arrangé. Allez, vas-y. Viens, l'amourant. Et d'un épargné. Oh, tu m'as remis dans l'ordre. Et oui, je suis mignon comme ça. Hop. Aïe. C'est pas évident. Non. Oh, Ralsei est mal. Ralsei est très très mal. Faut que je lui donne un gâteau. 83. Attendez. Pouvoir. Est-ce que je peux utiliser? Ralsei fait le mal. Prière. Non, je peux pas utiliser. Objet. Objet utilisé. De toute façon, j'en ai plein. Éclat lumière. On va utiliser un bonbon sombre. Sur Ralsei. Oui, est-ce que j'en utilise un deuxième? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On va conserver au maximum. Là, pour le moment, tant que j'ai pas besoin de l'utiliser. Hello, sexy. Avant l'arrivée du roi, je mangeais les feuilles de cet arbre. Et je le fais encore. Telle est la voix du ver de terre. Ok. D'accord, très bien. Bah écoute, je vais te laisser manger tranquillement, faire ton petit repas. Tranquillou, pépérou. Pépéroniou. Bon, je vais arrêter. Bonjour les danseurs, c'est beau, oui. Oh là là. Danser en même temps que les autres. Attendez, il y a peut-être un truc par là. Je vais d'abord aller là. Toujours aller vers l'endroit le plus éloigné. J'ai compris maintenant mon erreur. Non, je voulais visiter encore. Oh non, quel malheur. Si seulement Hero pouvait venir m'en aide. Lancer, est-ce que tout va bien? Je ne suis pas Lancer, je suis un gentil petit garçon. Et pourquoi un gentil petit garçon porte une moustache? Pour se déguiser! Non, tu fais peur. Alors, de quel genre d'aide tu as besoin? Vous voyez, il y a ce plan diabolique que je dois faire. Et pourquoi un gentil garçon fait un plan diabolique? Pour impressionner sa super amie Suzy. Chris, si c'est au nom de l'amitié, dans ce cas, nous serons ravis de vous aider. Que devons-nous faire? Tout est sur ce document, mon sucre. Le fameux plan. Ok. Remplissez-le avec la chose la plus diabolique que vous pouvez. Ah, donc vous n'avez pas d'idée, les mecs, c'est ça? Oh, que la création commence. Créer une machine pour te botter les fesses. Présentée par Lancer Industries, qui vient juste d'être créée. Alors, tête. Laser, épée, flamme. On va faire un canard. Corps. Ordinaire, roue, tank, canard. Ordinaire, châssis aérodynamique pour une raclée élégante. Cool. Élégant, cute. Pourquoi élégant et cute? Non, on va mettre canard, j'aime bien. Rien qu'en regardant ça, tu perds des points. Non, pas du tout. Il est trop mignon. Furtif. Lively, cute. Hot, cool. Un pneu? Non, c'est pas hot et cool ça, non. Chenille. Canard. Vous perdez des points. Eh ben, je perds des points. Est-ce que je peux changer la teinte? On va faire un canard un peu vert. Non. Attendez. Un canard tout violet? Non, je peux pas faire tout violet. Bon, on va faire vert. Le canard de la nature. Le canard qui t'aime. Le canard qui te veut du bien. Le canard qui n'a pas l'air malade du tout. Votre machine craint, vous êtes sûr? Ah oui. Waouh, ça a l'air méchant, vous êtes sûr de ne pas être maléfique?
Non, je suppose qu'on a juste un don pour ça. Ah, je vous ai eu, idiot. Ne jamais faire quelque chose pour quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre peut faire. C'est juste un canard. Piégé. Je t'ai eu. Les gars, ce plan diabolique... C'est de ma faute. Non, t'es doué. Oh, les méchants s'en sortent à nouveau impunis. À la prochaine raclée, bande d'idiots. Certes, oui. C'est moi l'idiot. D'accord, oui, c'est ça. Exactement la même réponse que j'ai eue dans ma tête. D'accord. Ils m'ont l'air un peu con, non? Ils m'ont l'air d'avoir des petits problèmes. Attendez. Par où? Là? Et je vois qu'il y a des coffres partout. Vous avez ouvert le coffre, il contient res menthe. Vous mettez res menthe dans vos objets. Ok. Résistance menthe. Résine menthe. Qu'est-ce que c'est exactement? Attendez, on va regarder quand même. Objet utilisé. Res menthe. Soigne un allié KO à max PV. Ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est très 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 bon. Par contre, oh, merde. Je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais accélérer. Je voulais récupérer le coffre en bas. Et le coffre en haut. Bonjour. Ravi de faire ta connaissance. Je me casse rapidement. Et tu ne m'aïras pas. Non. Non. Ouais, mais non. J'étais pas dessus. Oh. Ding. What? What? Qu'est-ce que j'ai fait? Et Ralsei est encore à 15. Waouh. C'est pas possible. Utiliser bonbon sombre sur Ralsei. La vache. On a pris cher. Il prend vachement cher, Ralsei, je trouve. Étonnamment cher, même. Tourne autour du centre et regarde attentivement. Plus il devient sombre, plus vous pouvez voir. Ok. Attends. Y'a moyen d'aller au sud? Non. Y'a un truc. Ok, ok, ok. Y'a quoi ici? Un arbre. Il y a un arbre qui bloque le passage. On pourrait croire que vous pouvez le contourner, mais ce n'est pas le cas. Attendez, je regarde juste autour. Ok. Donc là, il va falloir que je fasse le tour. Ok, c'est parti. Plus en plus sombre. Oh, il y a un truc en haut. J'ai vu un truc en haut. Qu'est-ce que c'est? Je dois aller lui parler? Il y a un truc. Il y a quelqu'un? Il y a un truc. Enfin, c'est pas un truc, c'est un monsieur. Dung! Bien que difficile à voir, il y avait un interrupteur dans l'arbre. C'était un interrupteur? Je croyais que c'était un monstre. Ok. Bon, bah, si je suis passé. Easy. Ça va, vous prenez du bon temps, les mecs. Tranquille. D'une manière ou d'une autre, le prince Lancer est devenu le vrai ami d'un Nightner. D'ailleurs, quelqu'un devrait le dire au roi immédiatement. Mais ce ne serait certainement pas moi. Celui qui annoncera la nouvelle se fera démolir. Donc, on est des Lightner? Ok. Parce qu'on apporte la lumière? Tout simplement. Comment va la machine à raclée qu'on a conçue? La machine à quoi? La machine à... Non, nous avons eu une toute scène à ce sujet. Oh, ça? Ouais, on va la faire à la dernière minute. Vous devriez vraiment commencer à travailler bientôt dessus. Oh, Ralsei, il est mignon. C'est quoi ce surnom? Ce sermon, ce surnom. Je ne suis pas venu ici pour me trouver un deuxième père. Ouais, dis-lui. Allez, c'est ça. On va vous laisser, les rebelles. Au passage, méfiez-vous du labyrinthe de la forêt. Vous allez sûrement complètement vous perdre. Sauf si vous connaissez quelqu'un qui connaît le chemin, bien sûr. Ouais, enfin bon, je pense m'en sortir parce que vous avez eu du mal sur une énigme assez facile. Moi, j'ai réussi hors de deux. Ouais, je connais la forêt comme ma poche. Ouais, non, j'ai pas besoin de toi. Je m'en passe. Je n'ai pas besoin de toi. Dois-je le suivre? Non. Non, non, je te suivrai pas. Non, non, c'est pas... Non, non. What? Ok. Attends, il est venu par là. Ok. Par là. Bonjour. Alors, par où allons-nous maintenant? On était en train de te suivre. Oh, pourquoi? Je n'ai aucune idée d'où je vais. Chris, allons simplement partout où Lancer ne va pas. Ça, on avait compris, mais je voulais voir s'il n'y avait pas un truc, un objet caché ou une connerie du genre. Hop là. Ok. Je veux quand même voir où est-ce qu'il va, parce qu'il y a peut-être des trucs cachés, hein, malgré tout. Non. Non, il sait vraiment pas où il va. Ok. J'espère que je rate rien, hein. Dites-le moi en tout cas si j'ai raté un truc. Comme ça, au moins, je saurai. Non, non, non.
Non, non, non. Oh, 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 oh. On va attendre. Hop là. Est-ce que je devrais pas vérifier quand même? Elle est nulle. Attendez une seconde. Où est Lancer? Eh bien, il n'allait pas du bon côté, donc. Je pense qu'il s'est paumé. Vous l'avez laissé s'égarer tout seul? Vous savez qu'il est nul au labyrinthe, hein? Il est probablement perdu et confus en ce moment. C'est bien, tu te préoccupes plus du mec que tu as rencontré il y a 2 secondes que de moi avec lequel tu es tombé. Oh, je suis perdu et confus. Désolé, Suzy. On ne voulait pas que tu t'inquiètes pour lui. Hein? Regarde, je ne suis pas inquiète pour lui. Les méchants doivent prendre soin les uns des autres, et c'est tout. Au pire, dégagez le bon chemin, je vais le retrouver. C'était dans l'autre sens. Il me semble qu'elle connaisse pas non plus le bon chemin, Chris. Eh bah, tant pis pour elle. Ça lui apprendra, la vilaine. Oh, oh. Oh. Aïe, 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 aïe. Bobo. Bonjour. Non, 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 non. Non. Il m'a touché. C'est pas possible. C'est pas grave, je vais te réarranger. Convenablement. Boum. Et je boum, je boum. Tada, t'es remis. Quel corps sexy tu as. Non. C'est pas une raison pour m'essayer de m'encuber. Les jeux de mots pourris à la larme. Non, non, on n'attaque pas. Non, 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 grâce. Eh, pardi, Bloxer. Vous avez gagné. Et je gagne 43$. J'ai vu qu'ils sont pas allés par ici. Par contre... Est-ce que... Mince, je suis revenu totalement en arrière. Je devrais quand même peut-être les suivre, non? Non, il est toujours... Non, non, ils savent vraiment pas. Donc, faut vraiment que j'aille... Ça sert à rien de les suivre pour avoir éventuellement un coffre ou un truc caché. Non, 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 pas deux fois. C'est bon. Hop, 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 hop. Au revoir. Non, vous m'avez pas eu. Vite, courez tout droit. Nickel. Déjà, j'ai déjà réussi. J'ai déjà passé le labyrinthe. Facile, les mecs. Oula. Qui est là? Oh, mon canard! Chris, c'est la machine qu'on a conçue? Très bien, ce sera difficile, mais faisons notre mieux. Oh, il est trop mignon! Oh, ce n'est pas une bonne chose, en fait. Il est trop chou. J'adore ma création. Oh, vous pensez que c'est nul? Mais attendez. Et voyez ce qui se passe quand on l'allume. Mais non! Mon canard! Votre création était nulle, alors on l'a fait sauter. Ah! Je vois. Je suis réellement triste, là. Triste. Au plus profond de moi. Donc maintenant, quel est votre plan? Il s'avère qu'on n'avait pas besoin d'un plan, seulement d'une règle. Quiconque se met en travers de notre chemin est pulvérisé en poussière. Mais Suzy, tu as besoin de nous pour rentrer à la maison. Nous pulvériser ne semble pas un peu contre-productif? Je pense qu'elle veut rester ici avec son nouvel ami. Non, c'est là que vous avez tort. Vous voyez, je sais que je ne peux pas rentrer sans vous, les gars. Mais être une gentille n'est vraiment pas mon style. Donc j'ai pensé à un moyen simple de régler ça. Si vous vous battez, je redeviendrai une gentille. Si vous nous battez, je redeviendrai gentille. Mais si vous perdez, vous, les gars, vous devrez devenir des méchants avec nous. Et faire tout ce qu'on vous dit. Je ne crois pas, non. C'est hors de question. Hors de question, non? Oh, nos désirs seront vos ordres. Donc, qu'est-ce que t'en dis? Ne vous embêtez pas à répondre. On allait juste vous tabasser de toute façon, donc. J'allais répondre non! Salut! Les méchants bloquent le chemin. On va s'occuper de Suzy. On va chanter pour Suzy. Parce que Suzy, on sait qu'elle est sensible. Fais un gros dodo. Oh, quelle belle chanson! Tu l'aimes bien ma chanson? T'as vu, elle est parfaite ma chanson. Est-ce que tu l'as apprécié ma chanson? X, ne rien faire. Vous dites à Ralsei de complimenter les ennemis. Vous êtes une très bonne équipe, je suis fier. Lancer commence à être convaincu. Oh, ça marche sur moi. Ah ah, il est sensible. Oh, j'avais oublié qu'il faisait cette attaque. Il est sensible aux compliments, ce petit. Attaquez. Ne rien faire. Vous dites à Ralsei que c'est mieux pour Lancer et Suzy. Vous deux, si vous n'arrêtons pas de nous battre, alors... Quelqu'un pourrait être blessé. Lancer est presque totalement convaincu, ça fonctionne. Je suis réveillé, vraiment, c'est nul. Hop là, raté avec ta hache. T'es pas doué ma grande. Va falloir apprendre à te battre, hein. Ouais, ah bah c'était plus facile qu'avec avec Lancer. Acte. Réveillé. Suzy, on va refaire chanter. Ralsei a chanté une berceuse douce et envoûtante. Suzy tombe de fatigue. Oh, quelle belle chanson.
Tu l'apprécies ma chanson? Est-ce que tu l'apprécies? Et est-ce que tu apprécies que je te fasse encore un petit compliment? Vous dites à Ralsei d'offrir ses services aux ennemis. Vous deux, si nous arrêtons de nous battre, alors je pourrais tresser vos cheveux. Et Hanser est presque totalement convaincu. Waouh, je vais avoir l'air incroyable. Non. Surtout que t'as pas de cheveux, comment tu vas faire? On va te faire des dreads? Acte, Lancer, ne rien faire. Vous dites à Ralsei de donner le coup de grâce. En résumé, je vous aime bien vous deux et je pense que nous devrions tous nous entendre. Qu'est-ce qui va pas, mec? J'ai accidentellement aimé les ennemis. Maintenant, les voir me fait sentir rond et doux. Mauvaise atmosphère pour le combat. Bien. Si vous ne voulez pas vous battre, il n'y a plus d'intérêt, je suppose. Le combat est fini. Donc j'ai gagné. Donc ça veut dire que vous venez avec nous. Eh bien, vous ne nous avez pas battus parce que vous avez triché en frappant que Lancer avec de la gentillesse. Quelle cruauté je suis. Je sais. Je fais de mon mieux pour être cruel comme ça. Vu qu'il le faut, je suppose que je vais revenir à vos côtés. Mais ne pensez pas que je ferai autre chose que combattre. Bah, tu peux rester avec l'autre, hein. Bien, nous sommes heureux de te revoir, Suzy. Vraiment? Ouais, dépêchons-nous et rentrons à la maison. Suzy? Qu'est-ce que cela signifie que... Est-ce que cela signifie que nous ne sommes plus une équipe? Je veux dire que... Bien sûr, nous sommes toujours une équipe. Tu peux... nous rejoindre? Venir dans l'équipe de... Waouh! Moi? Dans l'équipe de... Attends. Si je trade avec les gentils, alors... On pourra encore avoir des vestes complémentaires? Ouais! Ralsei va les faire. Ok, d'accord, bien sûr. Si ça peut faire en sorte que l'autre devienne gentil. Lancer rejoint l'équipe. Oh mon dieu, la tête. Lancer rejoint l'équipe. Je savais qu'on pourrait le convertir. Pourquoi t'as arrêté la musique? Mec, faut me suivre, hein. Tu nous suis pas? Tu peux nous suivre, tu sais. Oh, ok. Ok. Quand tu veux, hein. Je vois que tu ne le fais pas. Ouais. Je vois que tu ne le fais pas. Ouais. Eh ben écoute, je vais te laisser là, hein. Je vais pas t'attendre 3 ans. Dépêche-toi. Ah, il y a une porte là. Oui, il y a une porte pour venir en arrière. Mec. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, d'accord. Il reste juste là. Ah, il nous suit de loin. Waouh, c'est génial. J'ai jamais été dans une équipe aussi grosse avant. Tu n'as jamais été dans une armée de monstres? Ouais, mais mon père les a forcés à m'écouter. Donc il ne m'aime pas vraiment. Rassure-toi, je ne t'aime pas trop non plus. Donc comme ça, pour le moment en tout cas. Et tu n'as pas besoin de ces bouffons. Détends-toi avec nous. Hi hi. J'aime bien comme il avance sans marcher, le mec qui flotte. Mec, j'ai encore faim. C'est comme si tout ce que je mangeais ici ne comptait pas. On aurait dû voler plus d'argent dans les boutiques, je pense. Est-ce qu'il y aurait un souci avec la nourriture que l'on mangerait et qui ne sustenterait pas? Je pensais cuisiner un gâteau plus tard, quand on aurait fini l'histoire. C'est quoi le piège? Arrêtez de vous moquer de moi, pour une fois. Jamais! Pauvre Ralsei. Prince des ténèbres, mais moqué. Regarde, Suzy, un arbre à bonbons! Ah ouais! Non, c'est pour moi les bonbons. Vous êtes trop petit! Mince, le dernier bonbon est trop haut pour que j'atteigne. Ne t'inquiète pas, Suzy. J'ai une transformation spéciale pour les moments comme ça. Ah, ça va nous servir pour plus tard. Vraiment? Regardez et apprenez l'équipe. Transformation tabouret, d'accord, ok. Tu as juste posé tes mains au sol. Et ne sois pas jaloux. Faut pas le dénigrer. Au moins, il essaie de faire de son mieux, c'est déjà ça. Et je l'ai. Oh, dis-moi le goût que ça a. Ah, tu n'en as jamais mangé avant? Oh, eh bien, je me suis toujours demandé quel goût ça avait. Mais je n'ai pas le droit d'en prendre. Pourquoi? Bon, tu me diras quel goût ça a. Tu me le donnes? Je croyais que tu avais faim. Oh, elle est mignonne, Suzy. Une histoire d'amour qui commence, peut-être. En tout cas, une histoire d'amitié. J'ai changé d'avis. Oh, le bonbon a rejoint l'équipe. C'est bon, on a compris. Trop drôle, excellent. Ah, il commence à me... Je commence à les porter dans mon cœur, les deux. Du coup, ça a quel goût?
Miam miam, ça a le goût de l'amitié. Et quel goût ça a ? Ah, c'est comme si mes dents se désintégraient. Ah, c'est beau. Ah, c'est nul en fait. Ah ouais, mais merci d'avoir partagé. Tu es une bonne amie. Bah, toi aussi, je crois. Oh, c'est mignon. Fais gaffe, Suzy, on pourrait croire que tu commences à t'attendrir. Juste le fait de marcher avec vous, je me sens bien. Comme si je faisais quelque chose d'important. C'est parce que tu es avec les Lightners, Lancer. Notre but, le but des Darkners, c'est de les aider. C'est la seule manière de nous sentir épanouis. Vraiment ? Mais mon père déteste les Lightners. Il veut les... Et est-ce que ton père a l'air heureux ? Je suis pas sûr. Et on va le changer. On va le rendre heureux comme Asgore. Et eux, oublions son stupide discours sur son but. T'es surtout content d'avoir mangé une baie étrange. Ouais, carrément. Je suis encore boosté par le jus. Je veux dire, regarde. Je ne suis pas d'ici et en marchant comme ça, je me sens aussi, heureuse. Psst, non. Suzy, à vous. Et je le répéterai tout le monde à l'école. Peut-être. Je dirai à tout le monde à quel point tu es gentille. Et tu seras traumatisé. Où le château ? Regardez tout le monde, on peut voir le château. Est-ce que c'est les symboles que je dois mettre dans le truc ? Ouais, c'est là que nous vivons. Moi et mon père. Qu'est-ce que c'est que ce truc noir qui dépasse en haut ? C'est la fontaine, Suzy. Si on y arrive, toi et Chris pourrez enfin rentrer chez vous. Enfin, ça a assez duré. Chris, Lancer, en avant ! Tu m'as pas l'air très motivé, Lancer. Faut peut-être y aller, non ? Un peu plus. Motive-toi. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen de rentrer ? Et la fontaine est gardée. Si vous essayez d'y aller, ben... Vous allez vous blesser. Et quoi ? Allez, Lancer. À vous. Maintenant que t'as lancé ton truc et que t'as commencé à dire... Allez, va jusqu'au bout. Personne ne battra une équipe comme la nôtre. Si quelqu'un est sur notre chemin, tout ce qu'on va faire, c'est... C'est les écraser. Non, on va leur parler jusqu'à ce qu'ils succombent à notre charme. Mais qu'allez-vous faire si vous devez affronter ? Tout le monde saigne, hein, t'inquiète pas pour ça. Je pense qu'il parle de son père. Qui que ce soit, ils seront morts avant d'avoir touché le sol. Mais Suzy... Quoi ? C'est de son père dont il parle. Je pense que je dois partir. Hein ? Quand reviendras-tu ? Jamais. Oh oh. Hé, hey, attends, Lancer ! Pourquoi t'agis comme un idiot ? Il veut pas attaquer son père, c'est normal. Suzy, attends ! Oh non, me voilà seul ! Me voilà seul ! Non ! Oh oh. Les Lightners approchent le château. Attrapez-les. J'ai bugué parce que je me demandais qui parlait. C'est eux, là ? C'est les deux ? Wow ! Ok, d'accord. Ok, tempête de carreaux ! Wow. Hop, 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 ouf ! Comment je les ai évités là ? Comment j'ai évité ça ? Wow. Oh 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 oh. Je suis mal dans. Hop. Oh. T'as cru que t'allais m'avoir ? Vous êtes pas assez forts les mecs. Lancer ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh oh. On les a eus ! Il nous a piégé l'enfoiré. Attendez ! Non ! L'aventure est finie, je suis mort. Oh oh. Pauvres Lightners. On nous a ordonné de vous garder emprisonnés pour l'éternité, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais tellement aimé vous voir châtier. Est-ce qu'il nous garde parce qu'il peut, comme dans Undertale, utiliser nos âmes pour devenir plus fort ? Oh mon dieu. Oh wow. C'est assez problématique, tu ne trouves pas, Chris ? Un petit peu. Emprisonné pour l'éternité ? Ça risque de prendre un certain temps. Ouais, mais je vais trouver une solution. Et Suzy, où est Suzy ? On doit la retrouver, Chris, avant qu'elle ne soit blessée. Ou plutôt, qu'elle ne blesse quelqu'un. Il y a peut-être de quoi s'échapper ici, non ? Ok, je vais chercher. Malheureusement, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et me laisser un petit message. Ciao !